Et bonjour à tous, bienvenue dans ce 62e épisode de notre coop Satisfactory avec XK et Sabdam. Aujourd'hui on a un petit problème d'énergie, donc on va tester un générateur à carburant. Là-dessus. Par contre, ça serait. Je suis parti un peu à l'arrache, ça serait pas mal de ramener ce qu'il faudrait pour quelques. À comparer si on peut récupérer les. Ah non mais la coque, il va falloir faire ça à part. Il va falloir péter et refaire. Qu'est-ce que tu veux faire? Bah remplacer la coque de pétrole en partie par... Qu'est-ce que tu veux péter? Arrête. Remplacer la production de coque de pétrole par de la production de carburant et... C'est ça. Donc on fait la production de carburant. On désactive quelques coques pour pouvoir tester. Ouais. Et puis après, on les détruit. Ouais. Yep. Oh, mais ça va être tellement mieux. Il n'y aura plus besoin des pompes à eau. Parce que pour la coque, il fallait des pompes à eau. Bah oui. Pour les générateurs à charbon. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir se mettre en altitude. Oui, oui. Donc exact. Effectivement, se mettre en doublon. Non, Sabdam, tu m'as emmuré. Non, t'es pas emmuré. Il reste un passage. Comment ça, j'étais pas sage? Allez, hey, sage. Tu mets pas droit les couvailleurs. Non, mais viens voir, Eska. Attends, je mets juste une. Je voulais mettre un conteneur en fait. Pour qu'on puisse stocker les câbles, comme ça on pourra les récupérer ici. Ouais. Avant de. Faire un terminer. Ah! Des fois, j'ai un rollback qui me fait perdre ce que j'ai dans la main. Oui, c'est... tout à fait. C'est étonnant, ça. Non, mais moi, c'est pareil. Il y a quelque chose dans la main et hop. Alors, par contre, je vais pas savoir balancer le surplus. Ah, j'ai plus de plaque de fer. J'ai plus de plaque de fer. Zut. Que c'est un appel à l'aide. Celui qui... Si vous venez pour vous m'aider sur la partie énergie... Vous pouvez ramener des plaques de fer? Je termine mon truc là et je... Ouais, je prends ça. C'est pour faire le sol quoi, en fait. Ah oui, c'est important effectivement. Attends, je termine ici. Eska, regarde, viens. Je termine là, juste pour que les câbles et tout puissent sortir. Eh merde, j'ai pas assez de trucs. Non. Bon bah ce sera du MK3 provisoirement. Après je reviens pour l'upgrader. Fais pas attention ça dame. Je suis là. Ouais, regarde, viens voir. Tu parles les choses carrées. N'arrivez pas hein. Carré non. On fait que des ronds nous. Ah non vous faites. Regarde, là tout à l'heure en fait, regarde, ton convoyeur, je l'ai remis là. Et t'as vu, je l'ai mis deux beaux arrondis. Ouais. Tout à l'heure c'était en diagonale là. Ouais, t'es pas en diagonale. Oui, mais d'accord. C'est une technique, c'est caché. Non, mais je m'en bats, ça, je m'entends pas. Regarde, hop, c'est caché. Voilà, c'était caché, mais non, mais moi, c'est. T'as vu la preuve? Je l'ai vu tout de suite. Donc, c'était pas mais caché. C'est refait, là, c'est nickel. Du coup, on est bon? Attends. Vous êtes bon, vous êtes bon. Ah non, ils sont pas connectés. Attends, ils sont comme. Pourquoi c'est au repos, ça? Il y a un truc qui cloche encore. Et Ru, t'as mis... t'as mis des machines pour faire des câblages automatisés. En fait, elles font du câble. Ah, pardon. Alors, est-ce que maintenant ça va marcher?
caoutchouc, fil électrique, bah pourquoi il veut pas. Ça rentre pas. Qu'est-ce qui rentre pas? Bah les pièces en entrée, elles rentrent pas. C'est ballot? Ouais. Je configure sur tout, on verra bien ce que ça donne. À mon avis, j'ai fait une boulette en dessous. Alors, tuyau. Bio. Alors, combien tu consommes ? Tu consommes 12 par minute sur un générateur à carburant. Et on produit combien ? Là, on produit 40 par minute. Juste avec le surplus de ce qui est du carburant dont on se sert pour le jetpack. Cool. Pas mal du tout, ça. À mon avis, le truc, il monte à l'envers, non ? Quel truc ? Non ? Ah non, c'est fait exprès, ça. De quoi, Saddam ? Non, c'est bon. C'est pas ça. Pourquoi il y a du caoutchouc là-dedans ? J'essaie de corriger les fils et il y a du caoutchouc qui rentre, je comprends rien. Est-ce que j'ai... Oh, il me manque des ordinateurs. Et du caoutchouc. Les moteurs, ça va. Il faudra des ordinateurs, du caoutchouc... Des plaques de fer. Les plaques de fer, c'est pour faire des supports. Hein. Mais essentiellement, du coup, ordinateur, caoutchouc. Quelques moteurs. Moi, j'en ai... Il m'en reste 35, ça en prend 15 par... Donc là, si on en mettait... 3, ça pourrait peut-être... suffire, vu notre consommation de... Ça pourrait être un bon début, 3 en surplus, et puis après on s'attaque au remplacement. Le caoutchouc est produit sur place. C'est essentiellement moteur, cadre modulaire lourd et ordinateur. Après, on récupère quoi ? Non, mieux que tu t'alignes ça. Il vaut mieux que tu t'alignes sur l'autre. Attends, j'ai essayé de le supprimer. Je sais bien qu'il n'était pas aligné. Le caoutchouc, Foxy, il n'y a pas de problème, on le produit là, donc ça m'inquiète pas du tout. Combien j'en avais fait alors des cheminées ? On va compter les cheminées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Et lui, tu rentres quoi là ? Ça rentre pas. On avait... Toujours pas, alors. 16 générateurs à charbon. Tu fais quelque chose, Sam? Ah non. Non. Alors ça rentre. Il y a du mouvement.
consommait 25 de coke par minute. Mais il y en a 9 qui sont rentrés, hein. Ben non, c'est du caoutchouc qui est rentré. On produisait 120. Ouais. Non, il dit qu'il en faut 9, il y en a 0. L'icône, il est gris. Donc il n'y a rien dedans. Oui. Il y a du caoutchouc qui est rentré, je vois pourquoi. Je 25 pour 120. Ouais, 25 pour 120. On demande tout, on recommence. Oh, ça bug. C'est-à-dire qu'avec 1, j'alimentais tout pour 4 mètres cubes. Pouf, faut que je sorte la calculatrice. Alors, on avait 75 mégawatts. Là, c'est propre. On peut commencer depuis zéro, ça. Quoi, t'as enlevé? 25, donc 3 mégawatts. Non, mais je les ai reposés, ces deux-là. Coke. Ah, j'ai tout enlevé. Ah, mais moi, j'ai reposé. On en produisait 120. Ça fait 360. C'est moi qui venais de les reposer. Mégawatts. Oui. J'ai enlevé ceux du fond. J'ai tout enlevé. Là où j'étais. Divisé par 4 mètres cubes, ça faisait 90 mégawatts par mètre cube de résidus de pétrole. Donc la production actuelle avec la coke, c'est 90 mégawatts par mètre cube de résidus de pétrole. Qu'est-ce qu'on va faire, SK? Ouais. Qu'est-ce qu'on va faire? On va décaler l'entrée de cuivre ou l'entrée de caoutchouc. Plutôt l'entrée de cuivre, comme ça on met le caoutchouc sous aligné. On va pouvoir produire. On va le décaler, 150 comme ça on va être mégawatts. Moins embêté. Ce sera pas aligné en haut, mais ce sera pas gênant en fait. 150. Il faut faire un truc, dire ce que t'en penses. Moi je suis d'accord. Divisé par 12. On a combien de résidus? 5 mégawatts par mètre cube de carburant. On décale ça comme ça. 5,15. Ouais, ok. De carburant. Comme ça après on a juste. On produit 40. Comme ça on aligne les trucs en dessous. Oui, mètre cube par minute. C'est ce que je veux faire. Je les connecte en dessous. Ouh! Je peux les poser, je les connecte? Ah, j'ai mal posé. Calcul voilà. Intéressant. Une fois que j'ai posé, ça bug, je suis obligé de le retirer, cette dame. Je suis désolé. Qu'est-ce qui va pas? Ah, mais parce que moi je suis en MK4, MK9. Laisse-moi les poser alors. Mais du MK1, il n'y a pas besoin d'un MK4 ici. Mais je sais, j'y mets. Et mes raccourcis en MK4 en fait. Alors tu laisses XK poser en MK1, il n'y a pas besoin de MK4. Et je sais bien, c'est juste que. Alors laisse-le poser plutôt que de dire enlève et laisse-moi poser. Laisse poser. On va pas mettre du MK4 partout quand c'est vraiment pas nécessaire. Fun fact. D'après mon calcul rapide. De passer par le carburant, c'est moins efficace. Ah bon? Alors. Bah mince. En fait, dans un générateur à charbon, on produit 75 mégawatts pour 25 de coke de pétrole. Sans les booster. Sans les booster. 75 divisé par 25, ça fait donc 3 mégawatts par coke de pétrole. On produit. Euh, 120 coke de pétrole par minute sur un recycleur, enfin sur une raffinerie. Donc ça, on produit 360 mégawatts par minute. Et on fait ça à partir de 4 mètres cubes de résidus de pétrole. Donc 360 divisé par 4, ça fait 90. Pour le carburant. On produit 150 mégawatts à partir de 12 mètres cubes de carburant. Ça fait 12,5 mégawatts le mètre cube de carburant. On produit 40 mètres cubes
par minute. Donc ça fait 500 MW de produits par minute. Mais pour 6 mètres cubes de résidus de pétrole, donc 500 divisé par 6, ça fait 83,33 MW par mètre cube de résidus de pétrole lourd. Donc c'est un tout petit peu moins efficace en fait. Et ça fait combien d'euros le litre tout ça? Et du coup c'est plus cher. Ok. Et ben... Donc... Je mettrais du sans plomb si c'était moins cher. attends, cette dame, ça marche ça? Donc faut juste qu'on rajoute de la puissance quoi. Ah, pas forcément qu'on remplace l'existant. Comment? Parce que là c'est... J'ai pas compris en fait le sens de tes ascenseurs verticaux. Je sais pas, je vais essayer, je voudrais voir. Il faut les... En fait, il faut les mettre sur le côté pour que tu puisses faire une ligne droite qui les alimente tous. Dans l'autre sens, il faut que je les mette dans l'autre sens. En fait, il faut que tu les mettes vers un côté. Et là, si t'es comme moi, tu peux pas remettre parce qu'il croit qu'il y a déjà un convoyeur vertical dedans. Donc on est obligé de tous les retirer à nouveau. Ouais, un seul. Ah non, les autres là-bas, ils sont pas dans le bon sens. Ah oui, d'accord. Okay. Ah oui, c'est mal foutu ça d'ailleurs. C'est embêtant. Bon, je les enlève au-dessus. Si tu veux, t'enlèves en dessous. Sinon, qu'est-ce qu'on peut faire? On a encore du pétrole à disposition. Alors, Ru, je t'ai pas encore livré tes trucs, je suis désolé. On est encore dans nos passages de sol. Ouais, non, y a pas de problème. Je réfléchis du coup parce que ça serait pas rentable de remplacer la coke de charbon. Ben, on fait plus de coke alors. On peut pas faire du charbon renforcé, là, je sais pas comment ça s'appelle, là. Il y a Foxy qui nous dit qu'il y a le turbocarburant qu'on n'a pas encore débloqué. Ah oui, on l'a pas encore, celui-là. Donc, et que ça nous solutionne le problème. Mais, en attendant... le carburant, vas-y, on peut... Pose, hein, cette dame. Qu'on peut faire avec de la résine polymère? Tu peux faire des trucs, mais je sais plus si c'est aussi rentable. Tu fais du caoutchouc, du plastique avec. Et ouais. Ah, c'est une dame. Tu fais du caoutchouc et du plastique avec. En fait, c'est un produit intermédiaire, mais je crois que ça te permet de faire plus de plastique et plus de caoutchouc. Ça te permet de faire le plastique à partir de... Ouais, résine polymère et eau à la place de pétrole. Et de l'eau. Mais t'en fais plus, il me semble, avec ça. Non, t'en fais deux, pareil. Sabdam, je vais faire en dessous, hein, du coup. Oui, du coup, c'est pour ça, j'allais dire... Et le caoutchouc, pareil, t'en fais deux aussi. Ouais, mais c'est plus rapide ou plus efficace, il y a un truc comme ça. Non, c'est les mêmes... pareil, même rythme. Ah bon? C'est juste que tu vas utiliser un résidu... Non, c'est même pas un résidu, ça. C'est... La résine polymère, si. C'est le... Quand tu transformes le pétrole brut en carburant, tu produis également de la résine polymère. Ah oui, pour le carburant. Ah oui, c'est ça. C'est comme ça que tu produis la résine polymère. Donc, ça peut être utile dans ce cas-là, mais... Est-ce que ça, tu l'as pris en compte dans ton calcul? Non, je ne l'ai pas pris en compte dans mon calcul. Mon calcul, c'était juste la transformation du résidu de pétrole en énergie. Et c'est plus rentable avec, du coup, la coke qu'avec le carburant. Mais c'est plus... flexible avec le carburant parce que t'as pas besoin d'eau en plus. Ah, j'ai pas pris en compte les pompes qui doivent faire que ça doit se valoir. Ça doit pas se valoir. Bah, où tu injectes de l'eau en fait pour faire ton plastique et ton caoutchouc à partir des trucs bleus là. Oui.
des résines polymères, ou bien tu injectes de l'eau dans ton... Oui, oui, donc l'un dans l'autre. L'un dans l'autre. T'as des pompes quand même. Alors, par contre, on pourrait produire du carburant, un surplus de carburant via le surplus de. Je vais finir cette phrase. On pourrait produire un peu de carburant via le surplus de pétrole brut qu'on a et broyer la résine polymère. Tout simplement. La broyer, faire des tickets ? Oui. Saldam, c'est un peu proche là, non ? Ah non, ça passe. C'est bon. Merci Foxy. Alors, je vais pas regarder tout de suite, mais j'imagine que c'est le site qu'on connaît tous. Et je m'amuse pas à le regarder en direct. Et là, c'est une réflexion plutôt live, mais c'est sûr qu'il nous manque des trucs. Hein, mais... Je pense que là déjà, on pourrait se rajouter deux autres générateurs de carburant. Oui, générateur à carburant, pardon. Niveau surplus, est-ce que ça continue de descendre ? Non, là on est en remplissage positif. On est en positif en surplus, donc on pourrait également consommer plus de surplus avec une raffinerie supplémentaire pour produire plus de carburant. Je pense que ça pourrait être une idée. On aura plus de surplus de quoi, du coup ? On va... on peut consommer plus de surplus. Enfin, consommer une partie du surplus actuel de comment ça s'appelle, de résidus de pétrole pour faire du plus de carburant et du coup se mettre plus de générateurs. Mais faut pas qu'on enlève des générateurs et faudra qu'on voit à produire plus de pétrole de toute façon pour à consommer plus de pétrole d'une manière ou d'une autre pour produire de l'énergie. Est-ce que ce que je dis veut dire quelque chose ? Ou pas ? J'ai vu un souci avant mes convoyeurs, du coup j'ai pas suivi, je t'avoue. J'étais plutôt préoccupé par ma production. Je vais pas te demander de répéter, mais je te fais confiance. En fait, je dis juste... Quelle est ta conclusion ? Il faut que vous me rameniez de quoi faire... 1, 2... 5... générateurs à carburant. Attends, je me note ça dans ma liste de trucs. 5 générateurs à carburant. 4, 5... Ok. Voilà. Ok. Je te simplifie le truc. Je t'ai éliminé la partie réflexion. Juste... Je réfléchis en même temps sur mes convoyeurs là parce que il y a un bug. On va y arriver, cette dame, on va y arriver. Ouais, ouais. Pourquoi il a bugué celui-là ? J'en sais rien. Il n'y a rien qui passait dedans. C'est incroyable, mais à chaque fois que tu as des rollbacks, après ça bug. J'ai l'impression que c'est ça, hein. Ah bah, ça serait pas étonnant, hein. Construis un truc, ça va tout bien. Et souvent, hein... Quand tu termines, souvent, tu te rends compte que non. Et souvent, je recommence à cause de ça, parce que tu sais pas pourquoi ça marche pas. Alors, t'en remplaces pas tout, heureusement, mais... Ouais, pour trouver celui qui bug... C'est lourd, quoi. Voilà, ça passe au travers. Est-ce que c'est consommé ? La troisième machine, elle consomme, mais pas la quatrième. Ah non, la troisième, non, toujours pas. Ah si, ça entre. Ah. Là où je suis, ça rentre. Hein. Ça y est. On a fini, cette dame. C'est bon ? Yep. Ouais, on a nos 400 câbles à minute. Par contre, tu vois, ce qui est l'inconvénient de comment on construit, c'est qu'on n'arrive jamais... Bon, heureusement, on va vite saturer. Mais moi, je préfère répartir en deux temps, tu vois, les machines.
Alors, il va falloir 25 ordinateurs, 50 cadres modulaires lourds, 50 j'ai moteurs. J'ai la liste déjà, Elru. Ça, c'est juste pour les... 50 cadres moteurs. Ça, c'est juste pour les 5 générateurs carburant, Elru. Oui. C'est ça ? J'ai déjà la liste. Ok. Les yeux. Et puis, il va falloir un paquet de fondations. Safdam, t'as tout sur toi. Ouais, ça, j'ai... J'aurais besoin de plastique, mais il est là-bas. Bah, Sabdam, si tu veux aller devant, vas-y. Moi, je vais chercher des trucs pour aller. Je vais me charger en ordinateur. En béton. Ouais, cherche-toi en béton et en plaque de fer. Moi, je vais faire une escale technique. Je reste là où il faut que vous veniez sur la plateforme. Enfin, vous verrez la première... le premier générateur qui est posé déjà, qui reposera les autres en ligne, je pense. A tout de suite. Ça marche, à toutes. Donc suivez mon marqueur, à toutes. Ah, t'avais déjà complété en MK4, Sabdam. Celui qui était en MK3, j'avais plus de trucs. Mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir regardé, merci pour vos commentaires et vos pouces bleus qui font toujours plaisir, et on se retrouve très vite pour la suite. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao!